Salut à tous, on reprend les tests, ça fait quelques temps. Là, aujourd'hui, c'est un test de Frogger sur PlayStation. C'est également le premier jeu PS1 que je fais en test. Vous voyez, j'ai dû agrandir les touches parce que sinon c'est une catastrophe. Quand j'aurai la fibre, je relève ce jeu. Franchement, il est très sympa le jeu. Je ferai également un test de Swampy Revenge sur PlayStation. Mais après, sur Game Boy Color, il y a aussi le jeu Frogger 2 sur Game Boy Color et Frogger tout court, mais c'est le portage arcade, pas le portage du jeu PlayStation hors 2D ou quelque chose comme ça. Ouais, je suis bête, je suis mort. Donc ça c'est les niveaux rétro, hein. C'est pas ce sera pas 2 heures de ça. Ouais. Oh. Le souci c'est que là ici c'est pas vraiment indiqué quand les tortues vont aller dans l'eau. Là j'ai intérêt de faire gaffe pour la dernière grenouille à sauver. C'est vraiment, ah, et merde, c'est vraiment une excellente version. Bon, même pas 5 minutes, j'ai déjà game over. On peut choisir les niveaux. Après, il y a plein de jeux que j'ai testé sans faire des vidéos, donc après c'est pour ça que vous avez pas, enfin je pense c'est pas juste pour ça que vous voyez pas vidéo test, mais aussi parce que j'ai plein de jeux à faire en long play avant l'année prochaine. Genre par exemple Wonder Boy sur Game Gear. Oh là là, putain, c'est pas possible. Je vais comme un abruti. Mais putain, je croyais qu'il allait aller sur la grenouille rouge. Bah ça, quand on déborde, pas comme dans le jeu arcade, ça il faut, c'est, il faut s'adapter. D'ailleurs sur ma NES originale, parce que j'ai une NES, ouais, depuis le 12 mai. Et ben, 12 mai 2021, donc cette année, ça fait 6 mois en gros. Et ben, j'avais eu RC Pro Am où j'ai essayé. J'avais bien aimé. Ouf! Merci le bug. Bon. Ben après, en vrai, c'est pas sur le Google Store que j'ai installé, mais sur Aptweed, parce que sur Aptweed, il y a des applis genre qui sont payantes sur Google Play, mais sur Aptweed c'est gratuit, donc j'ai téléchargé sur Aptweed parce que. Sur Aptweed parce que bah voilà, c'est gratuit. Et puis c'est mieux. J'attends ce trou là. Je suis pas tombé sur un. Ouf, j'ai eu chaud. Enfin le premier niveau fini.
Moi, bon, je pourrais peut-être pas faire des lives avant le 15 décembre. Bah, parce que j'ai des baisses de temps vénères sur les diffusions. Ça, c'est super chiant. Si encore c'était genre quoi par exemple où il y avait de moins bonne qualité mais que le live est en outil, bon c'est pas 144 p ou je sais pas quoi, je sais pas comment on appelle ça, mais à 480 ou 360 quelque chose comme ça, ça aurait suffi. Mais malheureusement, ça m'enlève beaucoup de diffusion. Une fois, j'ai fait un live d'1h45 sur Game Boy Advance. Game Boy, je veux dire, pardon. J'ai l'impression d'être à l'ouest en ce moment. Et ouais, je suis fatigué en ce moment. Voilà. Parce que comme jeu Game Boy Color. Après, hein, le jeu Game Boy Color, je crois, il sortait en tout début de la vie de la console, je crois, en 1998. Ah bah alors là franchement ça va être un carnage pour aller sur la plateforme. Enfin sur la tortue. Ouais. Voilà. Là c'est la dernière vie que j'ai. Voilà, c'est de ma faute ça. Ah. Ah, bon allez, on s'en fout du score. Ah, voilà, on a fait déjà deux niveaux, c'est bien. T'as tout ça aussi. Attends, on va aller voir ça vite fait. Bon. Parce que... c'est seulement le rétro l'envol hein, qu'on a vu là ici, c'est différent j'imagine. Allez voilà, c'est bon, on saute. Voilà. Par contre ça risque d'être dur hein, pour le finir dans mon live, je risque d'en chier hein. Ah mais là je suis dans la merde si je maîtrise pas ce niveau, je suis dans la merde. Je crois que ce serait pas une plateforme. Bon alors là je sautais. Voilà, c'est ma faute. Bon bref, vous avez vu. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un like à la vidéo. On est bientôt aux 200 abonnés. Ensuite, mon objectif, ce sera d'en avoir 250, etc. Bref, au revoir et bonne soirée.